Voilà, on est le samedi 8 août de l'année 2020. Ce qui se passe dans ce pays est tout bonnement grave. Je suis abonné, donc j'ai mon compte Gmail, où j'ai en Google Alert Étienne Chouard, dont je viens de voir qu'il a été convoqué par la police pour contestation de crime contre l'humanité. Étienne Chouard a été piégé. Je viens d'appeler Philippe Pascot, lanceur d'alerte, auteur de 7 livres, 10 idées du goudron et des plumes, allez tous vous faire 3 petits points, ainsi que Thierry Hans du journal Hebdi, le camarade enchaîné d'Alsace, pour les informer. Il faut savoir que Nicolas Sarkozy, qui lui se balade en toute liberté, a été condamné pour dépassement de frais de campagne de 20 millions. Ça a été prouvé. Claude Guéant, son premier ministre, a retiré 800 euros sur tout son septennat dans les distribanques, et pour cause, tout cet argent de cette campagne Nicolas Sarkozy qui se balade en toute liberté, c'est de l'argent des biftons de Mouammar El Kadhafi. Claude Guéant, source Mediapart, a quant à lui loué à l'époque source Mediapart Fabrice Arfi, avec qui j'ai fait un selfie à la bibliothèque de la Salle Blanche Clébert l'an dernier en 2019. Ils ont loué un coffre à la BNP, un coffre si grand, que dit Fabrice Arfi, que l'on pouvait y rentrer debout. Lui disant Claude Guéant, pour y cacher des discours de campagne de Nicolas Sarkozy, alors qu'ils étaient présents sur l'intranet donc du parti de Sarkozy, dont je ne sais plus comment il s'appelait. C'est proprement scandaleux. C'est un vrai, c'est comme disait Georges de Marchais, c'est un scandale. Tout est pourri, tout le monde le sait. Et tout le monde s'en fout. Alors, je m'adresse à tous les trialistes et les trialisateurs. Oh, je suis Philippe Stocker de Trial Vidéo. Je vous donne rendez-vous au Stanislas Motoclub demain pour faire des belles vidéos, parce que comme dit Dieudonné, levez-vous. Ah, je peux pas. Dieudonné, levez-vous, je ne peux pas, je suis allergique. Ah, ça me gratte, je suis allergique. Ah, ça me gratte, je suis allergique à la corruption, à la franc-maçonnerie, et je suis allergique. Oh, ça me gratte, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais que des bêtises derrière l'église, je peux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du cru. Je suis allergique. Dieu donné, levez-vous. Non, je peux pas. Levez-vous, Dieu donné, mais vous êtes malade. Mais je suis allergique. Je suis allergique. C'est ça, la France, c'est la joie, c'est l'espérance. Samedi 8 août de l'année 2020, il est 5h. Vous entendez mon coq? J'ai appelé debout la France et j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, ma poule est morte. Peut-être qu'on l'a empoisonnée. À mon avis, elle en savait trop, et parlait trop, et caquetait de trop. C'est pour ça que le FBI est venu et lui a mis des grains empoisonnés. Et ouais, non, je raconte pas de conneries. Non, mais nanana. Et je vous invite donc prochainement à regarder ma chaîne YouTube sur les experts.